Alors pourquoi on faisait pousser des épis de blé devant la yeshiva de Kelem? C'est la question que Rav Volbe, qui étudiait dans cette yeshiva à l'époque, il a posée au petit-fils du sabbat de Kelem. Écoutez bien mes amis la réponse extraordinaire que le Rav lui a donnée. Ça donne une patate de dingue. Il lui dit que le sabbat de Kelem, donc celui qui a fondé cette yeshiva, avant de quitter ce monde, il a écrit dans son testament, il a demandé dans son testament à ce qu'on fasse pousser des épis de blé devant la yeshiva. Pourquoi? Écoutez bien. Parce que le Rav, il voulait que tous les matins, lorsque les étudiants se réveillent et qu'ils ouvrent les yeux, la première chose qu'ils puissent voir, c'est ce que peut devenir une graine qui a pourri. Ce que peut devenir une graine, mes amis, qui a pourri. Il voulait que les élèves vivent H24 avec cette conscience. Un juif, même quand il a atteint le niveau le plus bas, même quand il a touché le fond, c'est-à-dire tu peux pas plus bas maintenant, tu peux pas. Il peut toujours remonter. Il peut toujours revenir. Quel que soit son passé, quelles que soient ses erreurs, quelles que soient ses bêtises. T'as arrêté de faire Shabbat. T'as arrêté de manger kasher. Ou alors t'as jamais mangé kasher. T'as pris sur toi la tzniout. T'es tombé. Ouais, t'es tombé, tu remets les pantalons, t'as fait sauter le foulard, la perruque, t'es parti en banane. T'es pas honnête dans ton business, tu fais que des arnaques. La graine est la pourrie dans la terre. La graine est la pourrie. Mes amis, on doit être convaincus de toutes nos forces que même après que la graine elle a pourri, t'es tombé très bas. Il y a un épi de blé magnifique qui peut sortir de ça. Toi, tu peux pas savoir quel niveau, quelle hauteur tu peux atteindre. Toi, tu parles mal à ta femme, tu parles très mal à ta femme, t'as la bouche sale. Tu parles mal à tes enfants, dès que tu rentres à la maison, que des critiques, que des remarques à la bouche, non-stop, un calvaire. Mon ami, t'es pas condamné. Tu n'es pas condamné. Demain, toi, tu peux devenir le meilleur mari, tu peux devenir le meilleur papa du monde. Mettez les épis de blé devant la yeshiva. On peut changer. On peut changer. Parce que Hachem, il baisse jamais les bras, lui. Hachem, il perd jamais espoir de nous voir devenir meilleur. Alors quoi? Moi, je vais pas croire en moi. Moi, je ne vais pas croire en moi. Hachem, le maître du monde, il croit en moi. Moi, je vais arrêter de croire en moi. Mes amis, mais si on savait combien Hachem, il aime ses enfants, combien Hachem, il continue d'aimer ses enfants, même quand ils sont dans la faute, même quand ils sont dans les abîmes de la faute. Mais on deviendrait fou. Quoi comme ça, tu m'aimes, Hachem? Quoi comme ça, tu crois en moi, Hachem, après tout ce que j'ai fait, après ce que je suis devenu? Oui, comme ça, je crois en toi. Croire en nous, mes amis. Croire en nos capacités de changer, en nos capacités de devenir meilleur. Faites pousser des épis de blé devant la yeshiva. Faites pousser des épis de blé devant la yeshiva. À bientôt.